Bonjour à tous. Est-ce que vous saviez qu'il y a des géants qui vivent dans nos forêts? Il y en a même 6 espèces différentes et toutes sont endémiques à la Nouvelle-Calédonie. Je veux vous parler des escargots géants, dits les bullies. Ces animaux sont d'une importance majeure pour la survie des forêts, puisqu'ils contribuent à la régénération des sols. Et pourtant, aujourd'hui, ils sont en voie de disparition. Les causes sont nombreuses. Collecte excessive, perte de leur habitat naturel dû à la déforestation ou encore aux espèces envahissantes. Heureusement, à l'Institut agronomique néo-calédonien, l'IAC, des chercheurs sont là pour les protéger. C'est ce que je vous propose tout de suite de regarder dans Where Is sur NCTV. Je suis sur le sentier forêt sèche de la presqu'île de Pindaye. J'ai un rendez-vous avec une équipe de l'IAC pour un inventaire. Allez, c'est parti. Cédric, Fabrice. Ah. Oui. Alors les chercheurs, ça va ou quoi? Ça va Cédric? Ça va. Il est bon. Fabrice. Bonjour Cédric. Ça va? Alors, qu'est-ce que vous faites? En fait, on est là, on cherche les bulim. Ouais. En fait, c'est une étude qui a été demandée par la province Nord, qui voulait connaître un peu mieux les populations de bulim dans la province. Mmh. Et du coup, en fait, on fait des recherches un peu comme ici, là, partout sur la province Nord, pour essayer de retrouver les populations existantes encore d'escargots. Le but, c'est de connaître un peu dans quel milieu il vit, quelles sont les menaces qui passent sur lui, et ce qu'on peut faire pour éventuellement protéger et conserver ces populations qui restent. D'accord. Les bulim, c'est ce que je vois là. C'est ces escargots-là. C'est des escargots qui ont une coquille très épaisse, avec une ouverture qui ressemble à une oreille, donc on les reconnaît très facilement, avec un bord très épais qui est bien développé. Et ils sont faciles à trouver ceux-là? Non, ils sont plutôt difficiles à retrouver. En fait, toute la journée, ils vont rester cachés sous la litière pour se protéger de la lumière, de la chaleur et rester au maximum dans l'humidité qui se trouve au niveau du sol. Et l'inventaire, comment ça se passe? En fait, on va en forêt et on cherche des coquilles de bulim. Du coup, on va essayer de retrouver comme ça des vieilles coquilles qui nous montrent qu'avant, il y avait des populations d'escargots qui étaient présentes sur le site. Et quand on en trouve quelques-unes comme ça, et surtout des récentes qui sont encore un petit peu colorées comme celle-ci. Mmh. On va mettre un quadrat en place. Un quadrat, c'est une parcelle. On va faire une parcelle de 10 mètres par 10 mètres. Donc on va délimiter avec un décamètre. Et à l'intérieur de cette parcelle, on va fouiller toute la litière, ramasser toutes les coquilles d'escargots qu'on trouve. Et je peux vous donner un coup de main? Je peux vous aider? Ouais, pas de soucis. Allez, je suis partant. On suit. Alors là, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, du coup, on a placé un décamètre là dans la forêt pour faire un petit échantillon de forêt, parce qu'on ne peut pas passer partout dans toutes les forêts, ratisser toute la forêt pour essayer de retrouver ces escargots. Du coup, on va faire un échantillon qui va être représentatif un petit peu du milieu dans lequel on est. Et du coup, on va fouiller à l'intérieur de ce carré toute la litière à la recherche des escargots. Vivant et mort. Vivant, on ramasse, en fait, c'est ça, on ramasse toutes les coquilles qu'on va trouver, que ce soit les acatines, donc les escargots géants africains et les bulim. Merci. Et par contre, les individus vivants qu'on va trouver, les bulim vivants qu'on va trouver, comme c'est des escargots qui sont très fragiles, on va essayer de les perturber au minimum. Mmh. On va placer un petit fanion dessus à côté quand on va les trouver, pour pouvoir après repasser et faire les mesures. Ah, c'est ça que j'avais vu où on était tout à l'heure. Ok. Allez, bah, je vais bien essayer. Voilà, je te remets l'outil. Allez. Celui-là, il est vivant. T'en as trouvé un? Ouais. Juste. Super. D'accord. Du coup, on va essayer de pas trop perturber la litière autour, mais on va quand même chercher juste à côté. Ouais. Parce que souvent, comme ils vivent en agrégat, on en trouve un, juste à côté, on en trouve un autre. Agrégat? Agrégat, en fait, c'est quand les escargots ils vont vivre en groupe, regrouper les uns avec les autres. Allez, bonne récolte.
coquille vide. Hop. Tu peux vider la poche ici. D'accord. On va faire le tri. Je te remercie, hein. Ouais, vas-y. Bonne récolte. On va trier toutes les coquilles qu'on a ramassées pour différencier les deux espèces. Donc la catine, l'escargot géant africain, qui peut devenir bien énorme. C'est belle celle-là. Et les bulimes. Donc on va mettre les coquilles entières d'un côté, les bulimes de l'autre côté. Et après on va aussi également trier les coquilles qui ont été cassées, qu'on a ramassées, qui sont cassées, et celles qui sont mangées par les rats. En fait les rats ils s'attaquent aux jeunes escargots. Parce que les jeunes escargots, contrairement aux adultes, ils ont pas, les adultes qui ont un bord épais comme ça, les jeunes ils sont encore fragiles et du coup le rat il va commencer à grignoter au niveau de l'ouverture de la coquille pour croquer jusqu'à ce qu'il atteigne l'animal en fait, pour pouvoir le manger. Souvent quand on retrouve que l'ouverture, ce qu'on appelle l'oreille, parce que ça ressemble un petit peu à une oreille, ça veut dire que c'est un cochon qui a croqué la coquille et on retrouve, L'oreille. Que l'oreille. Ok. Eh ben on attaque le tri. Allez, ok. Peut-être qu'ils sont cassés, on va les mettre par là. Voilà. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir les compter et je vais noter le nombre d'individus qu'on a trouvé. Les entiers. Les entiers, il y en a 28. Combien il y a d'escargots africains? Il y en a 140. On a plus d'escargots africains que des bulimes calédoniens. Pourquoi? Bah alors tu vois, là tu as affaire à deux escargots. On a dit une espèce qui est endémique et une espèce introduite. Les escargots géants africains ont tendance à voler l'habitat des bulimes. En fait, tous les deux sont des escargots et les escargots, pour survivre, ont besoin d'humidité et de température assez fraîche. Et du coup, l'escargot géant africain, en fait, lorsqu'il a été introduit dans une forêt, il a toujours tendance à chercher les endroits les plus humides et il chasse en fait le bulim. Pourquoi le bulim de chez nous est plus résistant que le géant d'Afrique? En fait, il faut savoir que les deux, que ce soit le bulim ou l'escargot africain, font partie du groupe des escargots géants. Et les bulims, en plus, on dit que c'est des escargots à coquilles pesantes, ça veut dire qu'ils sont très lourdes. En fait, les bulims sont capables de prélever le calcium dans le milieu naturel. En fait, voilà, ils ont une sorte de petite bouche qu'on appelle la radula, avec des dents. Et en fait, ils grattent les cailloux et ils prélèvent le calcium pour construire leur coquille. Après toutes ces explications, je vois qu'il y a pas mal de choses à remplir encore sur tes relevés. J'ai encore plein de choses à noter sur la feuille. On va aller voir les escargots vivants qu'on a retrouvés pour aller faire les relevés. Ça marche. Ok. Comment ça se passe? Alors, du coup, je vais te demander d'écrire les... Oula. Si tu peux prendre en note les relevés qu'on va faire. Après, tu regardes si jamais je me trompe. Je n'ai pas envie de fausser... Du coup, la longueur, c'est 71,33 mm dans la première case. 71,33. 38,61 mm. La hauteur de l'ouverture, 31,99. Et en fait, tu vois, c'est aussi à ça qu'on reconnaît les escargots de forêt sèche, c'est que l'ouverture est très petite. Un escargot de forêt humide, il aura une largeur d'ouverture beaucoup plus grande. En fait, c'est une adaptation qu'ont ces escargots. Les escargots de forêt sèche, donc comme vient de le dire Cédric, ils ont une ouverture qui est très étroite. C'est pour éviter de perdre de l'eau. Donc ils sont adaptés à leur milieu. Plus c'est sec, plus l'ouverture est serrée. Et en plus, il y a l'apparition de dents. Donc là, il en a deux. C'est pour permettre encore de refermer plus l'ouverture. Et éviter donc la perte d'eau et donc de survivre dans la forêt sèche. Du coup, maintenant qu'on l'a bien identifié, on va le récupérer, on va aller le graver, et lui mettre une petite puce. Ah, je te suis. Il est bon. Donc je vais lui attribuer un numéro, donc le numéro 3, grâce à ce graveur portable. Et là, ça lui fait rien quand il fait ça? Non, pas du tout. Il sent juste quelques petites vibrations, mais tu vois, il est au fond de sa coquille, ça le dérange pas plus que ça. Ensuite la puce c'est pour le retrouver facilement la prochaine fois. Oui voilà, donc on va placer, ça s'appelle en fait un transpondeur, c'est une puce électronique
qu'on vient coller sur la coquille de l'escargot et qui va nous permettre ensuite, avec un radar, de pouvoir le retrouver. Il y a certains escargots de forêt sèche qu'on suit, en fait, ils sont exactement au même endroit depuis 5 ans. Donc les bulimes, ça se déplace très peu. On estime qu'ils font environ 1 mètre par nuit. Et en plus, ils reviennent toujours au même endroit. Ils sont très fidèles à leur lieu de vie. Donc celui-là, maintenant, on va le reposer exactement là où on l'a trouvé. Et donc, on pourra le suivre pendant plusieurs années. Donc, on va pouvoir suivre maintenant sa croissance. Si tu veux, je te laisse le repositionner. Olé. Alors, ce que je te propose, Cédric, maintenant, c'est que on essaye avec le radar pour voir si effectivement la puce fonctionne et si on est capable de retrouver l'escargot. Donc, tu vois, c'est un radar qui en fait a été mis au point pour retrouver les disparus dans les avalanches. Donc, tu vois, tu balayes comme ça, donc il n'y a rien. Là, tu t'approches. Et donc, plus tu t'approches de l'escargot, plus tu vas entendre le signal qui devient de plus en plus fort. Mmh. Donc là, tu sais que tu es au-dessus de l'escargot. Donc, notre puce fonctionne bien. Ça fonctionne très bien, même, je confirme. C'est efficace. Parce que tu rentres dans une forêt. Pour chercher un escargot, déjà, dans une forêt, il faut y aller, quoi. Voilà. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on se rende au laboratoire, à l'IAC à Pointe-Boute, avec quelques échantillons de coquilles de bulimes qu'on a pu trouver ici, et on va essayer d'identifier précisément l'espèce. Je vous suis. Alors voilà, ça c'est les coquilles qu'on a ramassées tout à l'heure. Ouais. On va essayer du coup de les identifier par rapport aux données du muséum. En fait, le muséum, ils sont repartis de toutes les différentes collectes qu'il y a eu depuis que les naturalistes sont arrivés en Calédonie. Ont été définies 6 espèces différentes sur tout le territoire. Et en plus, ces 6 espèces, on les retrouve en province Nord, ce qui fait bien la richesse des bulimes sur la province Nord. Du coup, comme tu peux voir, elles ont bien des tailles et des formes différentes. Et du coup, chaque espèce correspond à un milieu différent et à une zone différente sur la Calédonie. Du coup, tu as par exemple celle-ci, qu'on va retrouver vraiment tout à fait dans le nord, sur l'île de Belep, ou vers Poum, l'île de Yandé, par exemple. Ça, c'est une autre espèce qu'on va retrouver que dans les forêts du nord de la Calédonie, mais aussi légèrement dans la chaîne. Cette espèce-là, c'est aussi une espèce de la chaîne. Et c'est une des espèces en Calédonie qui est réellement en voie d'extinction, car moi j'ai retrouvé qu'un seul individu vivant de celle-ci. Donc après, tu as celui de forêt sèche, comme on a vu là, Pindai. Mmh. Et un tout petit escargot. Et lui, qui est seulement sur un terrain ultra malfique, dans les maquis paraforestiers, juste au-dessus de Thiébaï. Et je vois qu'il y a 6 autres espèces à côté, c'est quoi ? C'est pas des espèces. Ah. Ici, tu as la même espèce. Mmh. C'est l'espèce en fait caractéristique de la forme qu'on trouve à l'île des Pins. Par contre, suivant les conditions dans lesquelles on se trouve, les escargots présentent des coquilles de formes et de tailles différentes. Donc par exemple, celui-ci, c'est celui qu'on trouve sur la Grande Terre et qui a une forme en fait beaucoup plus globuleuse. Donc il est également adapté à des conditions d'humidité élevées. Donc il n'a pas besoin de resserrer son ouverture pour éviter de perdre de l'eau. Et enfin, tu trouves la forme géante de l'escargot de l'île des Pins qui est présent sur le massif de Goro dans le sud. C'est vrai que ça fait depuis un an que tu parcours les forêts de la province Nord. Quelles sont les conclusions ? Du coup, les conclusions qu'on peut tirer de cette étude, c'est que depuis 50 ans, les forêts elles se sont très dégradées, notamment par l'impact des cerfs, et qu'il y a de nombreuses populations d'escargots qui se sont éteintes. Et là, on en trouve encore aujourd'hui, comme à Pindai, on a pu le voir tout à l'heure, on a retrouvé que des adultes, il n'y avait plus du tout de jeunes. Mmh. Et c'est parce qu'en fait, ces jeunes sont mangés par les rats. Et du coup, les populations sont très menacées par ces rats qui mangent tous les jeunes individus et qui empêchent le recrutement dans ces populations. D'accord. Fabrice, c'est toi qui vas m'en parler des rats.
Oui, voilà. Donc, si tu es d'accord, Cédric, on peut se rendre sur le site de Nécoro, donc c'est un site de forêt sèche, où on conduit une expérience pour réduire le nombre de rats avec du poison, pour permettre aux jeunes escargots de devenir adultes. Ok, bah, je te suis. Moi, je vais pas vous accompagner, je vais rentrer les données dans le rendu pour mettre toutes les ça à jour. Ok, bah, merci beaucoup Cédric pour toutes les informations. C'était avec plaisir. Bon courage. Merci. Alors Cédric, tu vois, on est ici dans la forêt sèche de Nécoro. C'est un des plus grands morceaux de forêt sèche de Nouvelle-Calédonie qui reste actuellement, puisqu'il y a environ 200 hectares. Et il y a quelques années, le programme forêt sèche a mis en défense, c'est-à-dire a mis une clôture autour de cette forêt sèche pour la protéger principalement contre les cerfs et les cochons, pour permettre la régénération de la forêt, mais également toute la faune qui vit dessous. Alors la particularité de cette forêt sèche, donc de Nécoro, sur la commune de Poya, en fait, c'est qu'il y a encore une population de bulim avec des escargots vivants. Par contre, comme on a pu voir avec Cédric sur Pindaï, les bulim sont très menacés. Et je vais te montrer un petit peu le travail qu'on conduit à l'IAC pour essayer de rétablir la population d'escargots. Ok, d'accord. Je suis. Il y a de nombreuses menaces qui pèsent sur les bulimes. Une des principales, c'est la perte de son habitat, c'est-à-dire l'endroit où il vit, donc la forêt, soit par la déforestation, soit par la dégradation par les cerfs ou les cochons. Et la plus grosse menace qui pèse sur les bulimes, c'est la prédation par les rats. Donc 80 à 90% des jeunes escargots qu'on retrouve au sol sont mangés par les rats. Et en fait, tu retrouves les traces caractéristiques des rats sur les coquilles. Tu vois le découpage avec les incisives. Ils découpent toute la coquille comme ça. Et sur la menace des rats, qu'est-ce que tu fais? Si tu veux, je vais te montrer un petit peu le travail qu'on conduit chaque mois ici, avec du poison à rats. Okay. Il est bon. Donc la mort aux rats. Donc ça, c'est la mort aux rats. Donc c'est un poison qui est importé de Nouvelle-Zélande. Et ça se présente donc sous forme de petits granulés avec des céréales et du poison à rats. Donc voilà, on va ouvrir la boîte. La boîte. Ouais. Et on va en placer une petite quantité à l'intérieur. Une bonne poignée. Oui, voire deux poignées, ça devrait aller. Comme donc si. Voilà, tu le places dans les compartiments adaptés. Voilà. Est-ce qu'il est nocif pour d'autres animaux? Alors c'est un anticoagulant, donc il est nocif pour les animaux à sang chaud, les mammifères. Simplement ici on prend certaines précautions pour éviter justement d'empoisonner d'autres animaux. C'est pour ça qu'on le place dans ces boîtes qui permettent en fait uniquement l'entrée des rats. Donc là le but c'est pas d'éradiquer les rats, c'est de les réguler, donc les maintenir à des niveaux très faibles. Et en fait on s'aperçoit que par la méthode d'empoisonnement, on arrive à maintenir les rats à des niveaux très faibles et parfois certaines périodes complètement indétectables. Ça veut dire que ça marche? Ça marche. Est-ce que vous faites là, vous faites partout là où vous trouvez du bulim ou c'est juste exceptionnellement ici à Nécoro? Non, là c'est à Nécoro parce qu'en fait c'est à titre expérimental puisque en Nouvelle-Calédonie on n'a pratiquement jamais essayé de diminuer les populations de rats. Donc là c'est dans le cadre d'études scientifiques pour justement apporter des solutions aux gestionnaires, que ce soit les provinces mais également les propriétaires privés, les gens des tribus, pour essayer d'apporter des solutions efficaces et adaptées au contexte de la Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, on va refermer la station. Voilà. Et donc je te propose qu'on continue, puisqu'il y a une centaine de stations à réappâter. Et donc on a du travail. Et du coup Fabrice, tu empoisonnes les rats, est-ce que c'est un effet sur les bulimes? Oui, alors donc c'était l'objectif de l'expérience. Dans les zones empoisonnées, on arrive à avoir un plus grand nombre de jeunes bulimes par rapport aux zones qui ne sont pas empoisonnées.
Simplement, le problème, c'est qu'on a vu que les bulimes, c'est des animaux très particuliers qui ont une croissance très très lente. Du coup, le phénomène en fait est très lent. Il a fallu 5 ans pour commencer à voir apparaître des jeunes escargots. Donc ça veut dire que ce travail doit être poursuivi sur le long terme quand même. Donc si tu veux, on va essayer de chercher des jeunes bulimes dans les endroits qu'on suit depuis plusieurs années maintenant. Tu vois, on a pu mettre des petits rubans rouges qui indiquaient la présence de bulimes les années précédentes. Et donc l'objectif, en fait, c'est de chercher les nouveaux bulimes, les jeunes qu'on n'a pas encore identifiés. Donc là, il y a une marque, il doit y en avoir un aux alentours, puisqu'il ne bouge pratiquement pas. Alors là, j'en ai trouvé un, c'est un ancien. Mais bon, celui-là, on l'a déjà trouvé les années précédentes et c'est un adulte. Ouais. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est trouver des jeunes. Et tu disais la durée de vie d'un bulim est de combien ? Ils vivent entre 15 et 30 ans. Ah ben regarde, Cédric, je crois que j'ai trouvé un jeune bulim là. Ah ben voilà, la nouvelle génération, on a trouvé les parents, on a trouvé les enfants. Donc les résultats sont plutôt encourageants puisqu'on trouve des jeunes bulimes vivants. Donc là, les bulimes, ils sont sauvés. Ils sont sauvés. En tout cas, ici à Nécoron, on a exploré un volet pour essayer de les protéger, donc en empoisonnant les rats. Mais on travaille également sur la protection des espèces qui sont très rares et menacées et qu'on essaye de garder en captivité. Si tu es d'accord, je peux te montrer à l'IAC à Port-la-Guerre ce qu'on fait avec les techniques d'élevage pour essayer de protéger les bulimes. Ah mais c'est bon ça, tu me l'as pas dit, bon je te suis. Mais allez. Allez, olé. Alors Cédric, on est à l'élevage expérimental de bulimes de Port-la-Guerre, donc là où se situe l'IAC sur la commune de Païta. Et je vais te montrer donc une autre technique qu'on utilise pour sauvegarder les bulimes, qui est l'élevage. Donc on va aller voir l'élevage de bulimes. Et alors, qu'est-ce que tu fais, Fabrice, avec les bulimes là ? Alors donc ici, en fait, depuis quelques années, on a travaillé sur la mise au point d'une technique d'élevage des bulimes. Donc l'élevage, en fait, avec deux objectifs. L'objectif principal pour les bulimes de l'île des Pins, donc, qui sont ramassés en forêt pour être vendus, ça serait du coup de produire un grand nombre d'escargots de bulimes en cage pour éviter d'aller les ramasser dans les forêts de l'île des Pins. Et le deuxième objectif pour tous les bulimes qui sont sur la Grande Terre, on a vu que les populations étaient très menacées, ça serait de produire en cage un très grand nombre de jeunes bulimes que l'on pourrait ensuite relâcher dans les forêts. Et dis-moi, qu'est-ce que... Parce que là je vois un petit bac blanc, là. C'est quoi en fait ? Alors c'est de la farine de céréales qui est enrichie avec du calcium, puisqu'on a vu que les bulimes ont des besoins en calcium assez considérables, puisqu'ils ont une coquille très grosse. Du coup, en élevage, on leur donne en fait un aliment, on dit un aliment concentré, à base de farine de céréales, et en plus qui est beaucoup plus riche et permet d'avoir une croissance qui est accélérée par rapport à ce qu'on peut voir en milieu naturel. Donc, par exemple, pour avoir des bulimes, on a vu adultes dans la nature, il faut attendre 4 à 5 ans, tandis qu'en élevage, on arrive à avoir des bulimes adultes grâce à cet aliment en 1 an et demi à 2 ans. Et je vois que tu as mis des feuilles. Pourquoi ? Alors en fait, il faut savoir que ces feuilles, elles ne sont pas destinées à être mangées par les escargots. Ce qu'on n'a pas vu dans la forêt, c'est que les jeunes escargots, quand ils naissent, en fait, ils sont arboricoles, c'est-à-dire qu'ils montent aux arbres pour rechercher des températures beaucoup plus fraîches et l'humidité. Et du coup, en fait, en élevage, lorsque les escargots pondent et qu'il va y avoir des éclosions, les jeunes escargots vont toujours avoir tendance à essayer de grimper. Donc on met des feuilles sur lesquelles ils vont venir se positionner. Et donc ça va éviter les déplacements inutiles et les pertes d'énergie. Et donc l'énergie va être consacrée uniquement à la croissance et ils vont grandir beaucoup plus vite. Alors Cédric, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu sais reconnaître ici l'escargot mâle de l'escargot femelle ? Bien sûr que non. Alors, je sais pas du tout. Alors en fait, chez les escargots, on dit qu'ils sont hermaphrodites. Ils sont à la fois mâles et femelles.
Donc c'est une bonne invention de la nature. La nature est bien faite. Pour des animaux comme ça, en fait, qui se déplacent très peu, lorsqu'ils sont dans la nature et qu'ils se rencontrent, lorsque deux escargots se rencontrent, en fait, en étant hermaphrodites, ouais. Ils sont à la fois mâles et femelles, ça augmente en fait les chances de pouvoir se reproduire. Une petite question, est-ce que par exemple le bulim d'île des pins et le bulim du nord peuvent se reproduire ensemble? Alors, si c'est des espèces différentes, non, puisque deux espèces différentes ne peuvent pas s'accoupler. Par contre, on a vu que le bulim de l'île des Pins n'est pas endémique à l'île des Pins. C'est-à-dire qu'on le retrouve sur toute la Nouvelle-Calédonie, mais on a aussi vu qu'ils avaient des formes différentes selon les conditions du milieu dans lesquelles ils vivaient. Alors l'escargot de l'île des Pins, il est adapté à l'île des Pins, et en fait, si on le croise avec un bulim de la même espèce, mais de la Grande Terre, on peut arriver à des croisements, simplement les individus ne seront pas adaptés au milieu, et vont en fait mourir assez rapidement. Mais le risque, c'est que les individus qui ne meurent pas, en fait, viennent polluer la population initiale qu'il y avait dans le milieu. Et donc, en fait, ça représente un danger pour les bulims, parce qu'on affaiblit la population en apportant des escargots qui ne sont pas adaptés au milieu. Et après l'accouplement, à quel moment on voit les œufs ? Bah alors, quelques semaines, quelques mois après l'accouplement, les escargots vont pondre des œufs. Alors, si tu veux, je vais te montrer une ponte de bulim. Allez. Ah bah tiens, regarde, justement, il y en a un qui est en train de pondre. Donc tu vois, il fait des œufs en fait de forme un petit peu ovale. Et on peut avoir combien d'œufs ? Alors un seul bulim peut pondre de 200 à 300 œufs par ponte. Et en élevage, en tout cas, on a pu voir qu'un même escargot peut pondre 4 à 5 fois de suite dans l'année. Et donc 90% vont mourir en milieu naturel contre 90% qui survivent en élevage. Fabrice, tu connais très bien le bulim. Moi, à mon niveau et à nous Calédoniens, qu'est-ce qu'on peut faire pour le préserver ? Bah, déjà, ce qu'il faut faire, il faut respecter la réglementation. On a vu qu'il y a une réglementation qui existe pour les escargots de l'île des Pins. Ils doivent être consommés que sur l'île des Pins et ils ne doivent pas être transportés sur la Grande Terre. Donc, pour éviter que les quantités en fait, qui sont ramassées en forêt ne cessent d'augmenter. Et ensuite, respecter les animaux dans le milieu naturel. Lorsqu'on trouve en fait, des bulims, éviter de les déplacer. Puisque on a pu voir lors de nos sorties en forêt sèche qu'en fait ils sont très fragiles et qu'ils restent souvent au même endroit. Donc éviter de les déranger. Et enfin, protéger aussi le milieu de vie des bulims, l'habitat, donc la forêt, en luttant contre les espèces envahissantes, donc notamment les cochons, mais aussi les cerfs qui viennent en fait abîmer cet habitat. Voilà. Donc chacun peut participer à son niveau un petit peu à la conservation des bulims. Merci beaucoup Fabrice pour les consignes que tu nous as données puis pour le travail que tu fais concernant nos bulims calédoniens. Olé Boiti. Merci Cédric. Merci beaucoup. Oui Ali, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que je vous ai donné envie de protéger nos escargots calédoniens et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures dans Oui Ali. Biological clock, because we set upon around the clock. We make you swing, yes, we make you rock. Each and everywhere we play it is cock a block. So double lock, imminent attack. We have like a bad dog played in stock. Hey, double lock, imminent invasion. We cast it on empty for the sun.